Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde, comment nous y est? Dans ce moment-là, le pays Canada prend frappe sérieux dans le dossier Haïti. Après la République dominicaine, fin humilié, ministre des Affaires étrangères, pays Canada, Mélanie Joly, eh bien, madame a décidé de frapper porte plusieurs autres pays qui sont dans les Caraïbes, qui pas trop loin d'Haïti, dans l'idée pour chercher un côté, pour mettre le bureau qui a gagné pour mission coordonnée, aide internationale que PNH a gagné pour recevoir notre objectif pour combattre l'insécurité, grand banditisme. Nous prenons plus de détails dans un petit moment. Deux bonnes nouvelles nous portons pour vous. Eh bien, il y a le président du comité de sanctions des Nations Unies sur le dossier Haïti. Hein? Michel Xavier Biang, qui est passé dans le pays d'Haïti, eh bien, qui annonçait là que les sanctions des Nations Unies sont hein, prêts et la gagné. Yon date pour le sorti. Nous prenons le communiqué au date si là et nous avons pour nous partager avec vous divers points parmi sanctions que y a gagné pour prononcer contre toute nègre et femme qui participait dans financer gang et bandit en dedans la coupe pays d'Haïti. Yon l'autre bon. 15 juillet cap bien pour venir là, c'est ta date décisive pour Conseil sécurité Nations Unies cap gagné pour le réunir sous dossier force militaire que gouvernement Ariel Henry a demandé, hein? Eh bien, y a gagné pour y prendre une décision finale. Est-ce que oui ou non, y a gagné une force d'intervention qui a rentré en Haïti? Mais faut que moi dis nous plus près que nous plus loin, puisque gagné divers pays qui favorables n'ont pas avis par yo dans dossier si là. Nous prenons gagné tout pour nous partager avec vous une entrevue qui était réalisée avec ancien député Jerry Tardieu qui lui-même parler de plusieurs dossiers qui sont extrêmement importants, dossiers qui ont pour avec instabilité politique, dialogue interhaïtien qui était fait dans le pays jamaïcain, et qui ça qui était poussé tout pour signer et saluer les déclarations conjointes que diverses partis politiques te mette si a tu yo la dans li nan pays Jamaïque. C'est tout point ça on a gagné pour nous développer avec aujourd'hui nan émission. Déjà sou pou abonner m'a invité ou abonner activer ti cloche notification et qu'on soit pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster puisque faut qu'on là avec nous pour prendre bon gens information sur tout à fait qui a dominé l'actualité politique là dans la coupe pays d'Haïti. Eh bien, faut qu'on dit nous, pendant les semaines qui sont passées à là, il y a pile parole, pile où nous qu'a fait sur une question cyberattaque que BRH ta victime. Et bon, peut-être que ça n'a pas attiré attention ou pas trop focus sur lui, mais lui a parlé de question cyberattaque. C'est et non seulement qui concerne BRH, là, tout ça qui est pour avec activité financière, activité l'argent, activité économique dans la pays d'Haïti, l'histoire est affectée. Parce que depuis semaine qui sont passées là, nous entendons que et BRH qui n'est pas connecté avec l'autre banque commerciale, qui est affecté en pile transaction que en pile amis dans la diaspora fait. Des séries de monde qui qu'on a fait transfert dans la diaspora pour famille qui qu'on a fait déposer sous compte moun yo directement pour yo ka recevoir ti chouchoua en dollars, eh bien ça affecte transaction ça yo. Donc pendant tout le monde vraiment a prêté focus sur cause politique qui ça Ariel Henry a réglé qui Ariel Henry a quitté pouvoir, mais question cyberattaque ça que BRH ta victime là l'épigre dépasser largement question politique, bah ça aller plus loin parce que c'est l'argent pays qui en jeu, c'est l'argent population qui en jeu, c'est activité économique, activité financière des millions haïtiens qui en jeu. Et jouk nan moment on a parlé à la BRH pour que j'aime sortir que communiquer li pour que j'aime sortir aucun note pour dire nous est-ce que véritablement c'est de cyberattaque que BRH qui victime ou bien est-ce que c'est système yo c'est réseau a qui gon problème y a travail là dedans pour changer li yo quitté tout le monde dans le flou. En attendant, diaspora continue à voir l'argent en Haïti. Yo pas konnen qui a venu l'argent ça y a voué en Haïti en gagnant. Nous même qui en Haïti, nous continuons à faire transaction. Et bok yo, bok commercial en Haïti yo, moun za yo vin pirage. L'autre gen moun ki kon al nan bok yo kon di moun yo ya bayo $500. Yo kon di yo ya bayo $300. Et bien bok yo, yo vin tombe non question de $100. $150 yo ka baye sou transaction moun yo a fait. Et qui sa yo pren comme argument, yo dou BRH. Des problèmes, yo pas qu'à contrôler le système, etc. Donc, il était important
pour me faire une parenthèse avec nous pour qu'on ait véritablement qui problème qui gagne dans moment là avec BRH, qui problème qui gagne avec l'argent nous yo, l'argent n'a travail du pour nous faire alors que par une autorité concernée yo qui prend la peine pour yo communiquer information ça avec grand public là pour qu'on ait exactement de quoi il en est. Bon, n'a pas rentré dans l'actualité politique là dans ça qui concerne et diverses rencontres qui fait avec le premier ministre Ariel Henry et diverses décisions tout cap gain pour prendre un jour cap gain pour venir là yo dans ça qui gain pour avec divers acteurs politiques économiques moun dans société civile là qui ont même gain relation à gang à bandi cap terroriser population cap faire zam rentrer cap bay bandi au moyen financier cap bay l'argent cap bay munitions tout pour simayer la troublai vous comprendre pour faire kidnapping pour simayer des agressions dans la coupe pays d'Haïti dans l'idée pour ne pas jamais que stabilité pour rien pas jamais marcher bien en dedans pays. Eh bien, jeudi qui s'est passé à là, gain président comité sanctions Nations Unies sur Haïti, Michel Xavier Bien qui était de passage en Haïti. Eh bien, visite que en président comité en fait en dedans pays d'Haïti, il fait un objectif pour te rencontrer avec plusieurs catégories moun, plusieurs catégories autorités dans cadre enquête que l'a mené qui gagne objectif pour sanctionner diverses catégories moun qui gagne droit de tremper dans insécurité qui n'a confié loi gang qui n'a confié loi bandi parce que gagne bien longtemps. Si la justice haïtienne pas fait rien contre délinquant avec ça yo, contre bandi à cravate yo, mais pas un secret pour personne que gagne nèg qui dans secteur politique là, gagne ancien député, ancien sénateur, ancien président, ancien conseiller président, ancien ministre, elle a trié qui yo même gagne relation, gagne proximité avec bandi, dans connivence avec et nèg gang yo, dans tête lang avec gang yo, mais la justice en Haïti pas jamais fait rien contre yo même. C'est vrai que États-Unis, Canada sanctionnent diverses catégories moun, mais en Haïti, yo pa jam fait rien contre yo. Bon bout de là, nous chita n'attendre que Nations Unies qui te promet nous en liste depuis commencement année 2023, depuis pour janvier 2023, yo te promet nous en liste qui tap gagne diverses catégories moun qui yo tap sanctionné. Eh bien, jodi a la qui c'est lundi 19 juin 2023, li sa poko jam sorti. Eh bien, passage, visite, président comité sanction Michel Xavier bien en Haïti, eh bien, c'est dans l'idée pour continuer à enquêter, chercher information, consulter diverses catégories de monde, qui gagne information sur action criminelle, sur Zak Bandi, que des séries de personnalités qu'on fait en deux dans le pays, pour yon kap prendre sanction contre nous. Eh bien, 15 septembre, kap gen pour venir là, c'est date ça que président comité sanction Nations Unies sur Haïti, li prévoit pour li sanction Nations Unies sorti. Et automatiquement que liste sanction Nations Unies en sorti, c'est là tout le monde bral gen vote mené, tout le monde bral gen jarre parce que son bagay qui beaucoup plus spécifique, son bagay qui beaucoup plus large qui bral fait. Bon m'explique. Nous connaissons Nations Unies et l'ONU, c'est lui même qui regroupe divers pays, vous comprenez? Et bien par la suite, automatiquement que liste sanction Nations Unies en sorti, tout le monde qui figure kap gen nan yo sou li sa, eh bien, premier catégorie sanction, yo pral tombe en balance, c'est que pral gon interdiction pour yo voyager dans tout pays qui membre Nations Unies pour un délai de 1 an. Donc, pendant yon l'année, yon pap ka voyager nan pays qui membre Nations Unies. Parce que tout pays sa yon pral oblige prendre des sanctions, pral prendre des mesures contre moun ki sou li sa. Et faut mwen di nou tout, gen diverses personnalités que États-Unis, Canada te sanctionné déjà. Eh bien, moun sa yon pral retourner sous liste Nations Unies, yon pral retourner sous liste globale là. 1. Yon pap ka voyager. Et 2. Tout pays sa yon qui pral prendre des mesures contre yon même nan. Depuis yon te gen l'argent dans pays sa yo, depuis yon te gen bien dans pays sa yo, eh bien, que te l'argent, que te bien, yon tout pral tombe en bas sanction, yon tout pral gen des mesures restrictives sou yo. Ale di l'argent yon te gen nan bok, bien yon te gen, yon pral gele, yon pral depose sele sou yo, eh bien, tout activité que neg sa yo, monsieur dame sa yo, tap gen pou yon regle nan pays sa yo, yon pral pa ka regle yo parce que yon pa ka voyage, et économiquement, financièrement, tout avoir, tout bien, tout l'argent, tout brasser dans le pays, ça n'est pas capable.
Mais qu'on y a question à poser, et c'est question que l'autre monde doit poser. Ok, pas de problème. Nations Unies, pral gagne pour le sortir en liste, pral gagne pour sanctionner diverses catégories de monde. Mais pour qui ça a été obligé, bah, date que yon pral prend et liste pral sortir, date que sanction li pral effectif contre moun sa yo. Est-ce que c'est dans l'idée pour moun sa yo gete préparé yo avant sanction, ou comprenez? Moun sa yo qui te gè l'argent dans le pays qui gete connaît que Nations Unies pral sanctionner yo, gete là, si yo pas sous liste sanction États-Unis et Canada, gete aller dans pays sa yo, comprenez? Gete j'ai causé yo get en vide compte banque yo prend l'argent yo bien yo te get gen soit yo vendre ou bien yo passer yo sous l'autre monde et cetera pour yo échapper en bas sanction Nations Unies. Est-ce que c'est ça Michel Xavier Bion? Est-ce que c'est ça Nations Unies dans moment là yo a coordonné ou bien est-ce que ça m'a tête y a passé nous tout parce que m'a pas comprendre aux sanctions pour le sortir et puis ou tande autorité président comité al débarquer en Haïti pour le bail ensemble des formations et puis pour dire mais qui joue mais qui l'est sanction pour le prendre mais qui l'est les sanctions li pral public. Donc là imaginons pour moment combien pays prend sanction contre nèg yo? C'est seulement trois pays, oui, c'est États-Unis, Canada, République Dominicaine. Kounya, gade ki quantité le pays qui fait partie de Nations Unies, qui manque Nations Unies. La France pas jamais fait yap, la France pas jamais dit yap. Espagne pas jamais dit yap. Gyo paquet le pays qui se membre kwa groupe, yo pas jamais dit yap. Et si moun sa yo te gen bien, et si moun sa yo te gen kay, et si moun sa yo te gen l'argent yal serré, et nous konne paradis fiscal qui gen la Suisse, etc. Jan moun yo remè après l'argent yal serré dans pays sa yo. Qui ça y a fait, qui ça y a devenu. Donc là, il est extrêmement important pour nous poser bonne question yo et pour nous jouer une réponse parce que là nous dans le flou, hein, nous dans le flou par rapport avec sa Nations Unies projeté pour le faire, par rapport avec sa comité des sanctions et de l'ONU programmé pour yo faire là 15 septembre cap gagner pour venir. Oui, il est évident faut que nèg yo sanctionné, mais en dépit de sanctions yo, faut que la justice en Haïti assume responsabilité, faut commissaire gouvernement dans divers juridictions assume responsabilité yo pour marrer vagabond, pour marrer délicat. Et si bon bagay que commissaire Muscade véritablement li ka fè nan moment là en tant que commissaire du gouvernement, en tant que autorité de poursuite dans juridiction Miragwan, depuis ces nèg ak fòm qui sous les États-Unis, Canada ou bien République Dominicaine ou bien cap gagné pour sous les Nations Unies. En tant que commissaire du gouvernement, par exemple, ou gagné ancien sénateur Nenel Kassi. Imaginons Nenel Kassi, li ta sou en liste là. Et puis, yo prend sanction contre Nenel Kassi. Mais automatiquement, en tant que commissaire du gouvernement, moun nan la juridiction, nèg la juridiction. En tant qu'autorité de poursuite, job ou c'est enquête sou li, oui. Et c'est une bagarre si commissaire Muscade t'a fait là. C'est pas si bravo, non, y a bat pour commissaire Muscade parce que yon ouais commissaire Muscade, li m'a obligé faire même genre avec toute l'autre val dans diverses juridictions qui rete a gardé, qui pas fait rien, mais automatiquement des sanctions qui prend, c'est enquêter vin avec preuve pour nous coincer vagabond, pour nous coincer criminel avec yo, criminel habillé yo. Qui profite de fonction, de statut, reprendre honorable sénateur, honorable député, honorable ministre, et puis à faciliter gang, faciliter bandit, rentrer à examen, distribuer examen, etc. Faire kidnapping, gen machine officielle en bas yo, pour yon passer avec moun yon kidnapper, etc. Donc, ça là nous pral si véritablement gros travail que la justice en Haïti préparer, programmer pour yon faire un dossier autorité dans la coupe pays d'Haïti qui a financé gang, qui a financé bandit. Parce que c'est à partir de 15 septembre, la liste Nations Unies en sorti. Et à partir de là tout, nous pralouer, est-ce que pouvoir y en rien, est-ce que la justice en Haïti gen velléité, gen bonne volonté, gen bonne foi pour yon poursuivre criminel, pour yon kaze gang, pour yon kaze bandit en Haïti. Kabou ke gen bureau kap mande pou yo mete a gauche à droite. Kabou ke gen aide internationale kap ba PNH. Mais de pou pa gon système justice kap fonctionne kon ve wa fe. De pou pa gon système justice ki kap poton réponse bay criminel, bay gang et bandi, bay gang yo kon ve wa fe. Ki sa nou remanke? Ma pou volop parenthèse. Nan jou ki se passe yo la, gen met Caleb Jean-Baptiste ki arrete et madame et Yael Joana Clerguez-Jurek.
qui lui-même t'a participé dans faire détournement fonds, dans escroquerie à une confiance, qui t'a volé près de 2 millions de dollars américains pour des séries de monde qui a vendu. Qui ça qui arrive? Le arrestation a fait, etc. Vidéo fait, et mettre la fin arrêter madame, non? Nous apprenons que, matin, il a intervenu sur Radio Caraïbe, et puis mettre Caleb a dit que, le vin arrêter madame, non? Qui ça qui fait? Même minute, non? Même minute, tu vas pas madame, non? Pour qui ça? Parce que, yo estime, li fait partie de classe bourgeoise, yo estime, c'est mon peau blanche, yo estime, c'est mon gigue l'argent, etc. La police pa minotel. Rive dans le commissariat, vous comprenez, c'est faveur qu'a fait, c'est traitement de faveur qu'a bail, façon y a protéger madame, etc. Mais imaginez quelques secondes, si c'était petite soyette là, si c'était malheureuse en bas la ville là, malheureuse qui vend choupaille là, qui vend marché en bas, malheureuse qui vend papa d'ap là, malheureuse qui petit boutique là, machin de loi, je sabo tap chavire la gauche à droite, pied le tap levé en l'air en bas coup de coffre zam policier, je le tap rive, je le tap geta passe nan l'ou la police sans que on juge pas de l'. Pour qui ça? Parce que le pagé non, li pa tap gen statut, li pa tap gen bandeye, li pa tap gen avocat pou défendre, etc. Et bien, je ne j'en dis, c'est pour qu'à comprendre que ça qui passe en dedans pays, ça qui passe en dedans la police, ça qui passe en dedans la justice pa gen j'ai bandé en Haïti. La justice pa gen j'ai bandé. Gen justice pour une catégorie moun, gen la justice a tout pisé en l'autre catégorie moun. Gen justice pour une catégorie moun, la justice a tout pisé à mettre pied sous con l'autre catégorie moun. Ou gen l'argent, ou mulat, ou gen relation, etc. Ou ap saisi ou arrive dans le tribunal là, juge qui sous dossier, juge qui a pour traiter dossier, et dossier volé, oui, et puis la mande volé. Oh, soit vin fait là. A passe où? Soit vin. Parce que, bagay yo se bagay tizan mi patizan. Matin met Caleb dou, li pa même quoi fiyan nan garde à vue, etc. Parce que se bagay tizan mi, bagay e zan mi ta koli kap regle dans le système judiciaire là. Li pa étonnant, li pa étonnant pour tande ça, parce que nous konnen en Haïti comment yo traite justice. Malere, malereuse, moun tête gren nan yo traite en parent pauvre. Mais moun ki gen relation, moun ki gen moyen, moun ki grand nèg la, moun ki nan classe bourgeois, yo gen façon pa yo pou yo traiter yo. Moun nan met voler, li met kidnapper, li met délinquant, li met ap détourner l'argent, met nan corruption, c'est pas jamb li même. C'est toujours abus, ou ap sal non, etc. etc. Nous pas se trouve là avec ancien PM la mode. Nous pas wèl nan question la jambe au Caribéa, ou ap savoir. Eh bien, faut moi dit nous tout, en parlant de corruption, eh bien, nan jou kap gen pou vini la yo. Et dossier corruption qui concerne ancien sénateur Yuri La Tortue, eh bien, juge d'instruction qui sous dossier, la gagne pour le rendre ordonnance. Est-ce que c'est ordonnance de nos lieux, côté l'État estimé, pas gagne assez de preuves, pas gagne assez de matière pour le poursuivre ancien sénateur, ou bien est-ce que c'est ordonnance de renvoi, côté avoué sénateur à l'œuvre au tribunal criminel pour la juger pour corruption, pour abus de confiance, pour détournement de fonds publics. C'est un dossier à suivre et nous là, nous suivons le dossier pour nous ba ou bonjour information. Kounya nous pral passer dans ça qui gagne pour wè avec dossier pays Canada côté gagné ministre affaires étrangères canadien Mélanie Joly qui fin prend gros coquin chaîne humiliation dans mes pays et dans mes pays voisins nous République Dominicaine parce que République Dominicaine voyait bien ministre affaires étrangères dominicain li calé gel bien large pour demander madame dès qui prévient dès qui manigance nous pas de jambe chita pas là avec vous comment on fait penser République Dominicaine car ça et puis pour on décider de prendre même Canada va venir ton bureau comprendre. Est-ce que Haïti, si c'est le pays, Haïti t'es quand même accepté le sac que vous pas même demandé lui, vous comprenez? Parce que l'autorité là, quand nous c'est tête baissée, c'est pour le casser, vous faites tout bagay pour satisfaire blanc, pour satisfaire et colon, yo bourreau, etc. Eh bien, République Dominicaine, yo dit non, pas de bagay comme ça, et nous connaissons déjà, et Madame Mélanie Joly, lui obligé de repenser bagay yo à deux fois. Eh bien, dans le moment où on a parlé à la, qui ça qui décide? Eh bien, ministre affaires étrangères canadien, lui a pour parler avec divers autres pays qui n'ont Caraïbes blanc, mais qui prêt à Haïti pour regarder comment yo ka joine aval, yo ka joine approbation,
yon nan peyi sa yo, et tankou Jamaïque, tankou Trinidad, Sainte-Lucie, etc. Pour yon gade comment yon ka jwenn aval, yon nan peyi sa yo, pour yon ta mette yon bureau, pour yon ta installe yon bureau, de manière à ce que, pour yon coordonner aide internationale la, sou sa ki gen pouwe avec dossier sécurité. Gros bagay mwen manke la, mba kon si se sel mwen pou manke, et mba tare men se sel mwen ki wèl lò. Parce que gon jouet tolalito, pays Canada pas prendre au sérieux, yo pas prend Haïti au sérieux. Et ça vient là, cause ça vient rendre que on pas paquet l'autre. C'est vrai pas gè ti pays, pas gè gros pays, mais Haïti bon histoire que on pas paquet l'autre pays pas gè. Nous bon histoire, nous bon passé historique, nous bon passé glorieux que on pas paquet l'autre pays pas gè. Ça vient là cause que même petit pays qui pas gè aucune histoire, qui pas gè aucune passé. Je ne j'en dire là, la voie est en poil, y a banaliser nous. Comment comprendre? Nous gagne sécurité la caillou, nous gagne problème gang bandi k'ap ba nou problème. Pays Canada répond pour aider nous nan coordonner aide internationale etc. parce que c'est lui-même k'ap gérer fond basket avec nous etc. Même pays Canada ça l'a esquiver problème nan ki ant dans la caillou nou. Elle va chercher garder comment yo ka jouer une solution l'autre côté pour problème nan. C'est un coup ou gon la bouille chaud. Canada vient avec formule ou gon la bouille chaud après le sous-côté. Li pa décide fourer qui est en mitan non. La pran la côté. Mais nous te ka essayer comprendre. Pran à côté, c'est pour le ka arriver en mitan mais non, c'est pas ça y a fait là. C'est pas ça y a fait. Yo a banalisé Haïti et yo ren haïtien a banalisé ça qui passe en dedans pays à tout. Parce que li évident que c'est pas nous tout qui comprendre ça jouet Canada fait avec nous là. Comment comprendre nous gè problème la caille nous gè bandi k'ap ba nou problème la caille nous PNH besoin appui PNH besoin forme policier besoin formation nous besoin support technique nous besoin support matériel nous besoin toute qualité support et nous kounye à la même non nous gon 600 millions de dollars dans fond basket pour nous acheter équipement former policier yo kounye on pral di moi dans l'autre pays ou aller bureau ou alors le pays pour mettre bureau soit pral le bureau ou pral payer personnel à gauche à droite ou pral gagoter l'argent pral dépenser l'argent ou pral dépenser des millions dans 100 millions et puis à la fin de durée programme nous pral installer pour bureau et puis c'est rester dans prêter dans PNH pas jamais font pas on merde pas jamais résoudre ça est extrêmement important pour poser problème là yo gè 100 millions non mais c'est vrai. Yo pa wè ça pour yo faire avec, yo pa wè comment pour yo aider PNH, yo décidé aider nous à distance pour yo gagoter l'argent à distance et puis problème PNH, problème gang n'a pas jamais résolu en Haïti. Donc calé nous comprendre. Nous gè Haïti là PNH gè bâtiment, inspection générale gè bâtiment, direction générale la police gè bâtiment, école nationale de police gè bâtiment. Si c'est vite l'homme nous paie, résout problème vite l'homme non. Mais c'est vrai, c'est vite l'homme qui problème non, résout problème vite l'homme non. C'est Izo problème non, résout problème Izo, c'est l'homme sans joue problème non, résout problème non. Qui ça nous remarque finalement? Nous pas ouais, c'est haïtien nèg yo pa vle en dedans pays hein. Imaginons, même bandi yon pile fois yon kondou, c'est étranger, c'est blanc, c'est lui même qui problème là, etc. Si n'a constaté, majorité des âmes qui alimentent gang, qui alimentent bandi yon kote yon sorti États-Unis. Mais pour qui ça bandi ça yon pas jamais attaqué international là? Yon pas jamais attaqué des représentations de l'international. Égaré yon yon. C'est garé, yon pas égaré. Nèg yon pas égaré. Yon connaît qui côté pour yon attaquer, qui côté pour yon manier. Qui ka créé stabilité, qui ka créé chaos dans le pays. Yo konnen gen des séries de l'autre monde si yo manye. Yo konnen gen des séries de représentations diplomatiques si yo manye. C'est la guerre yo déclaré pays sa yo. Yo pa égaré. Donc entre temps c'est nous qui paye frais yo. C'est nous y a tout pisi, c'est nous y a touye, y a violé, y a appauvri, y a kidnappé nous. Nous même nous faire comme si nous pas wè. Nous faire comme si nous pas tande. Gen l'autre bagay qui est extrêmement important pour nous comprendre dans manœuvre pays Canada fait là, dans manœuvre internationale là fait là dans dossier haïtien. Haïti gen problème de sécurité, Haïti gen problème gang, c'est de yon besoin résoudre problème haïtien. C'est de yon y a chercher pour résoudre problème que nous gagnons la caille nous. Pour qui raison? Qui ça qui motive yon? Pour qui raison jounen jodi la yon pas ka entre yon, yon pas ka poser problème nan en dedans pays yon. C'est deux yon choisi fèl. Ma pour exemple, c'est le président salvadorien Nayib Bukele, li te mande international là pour supporter le pour aider le résoudre problème gang, résoudre problème bandi la kayli. Le nèg yo te vini, c'est formule pa yo, nan façon pa yo te décidé pour résoudre problème là parce que yo pa twè Nayib Bukele de bon œil.
yo te wè Nayib Boukele trop radical, trop extrémiste pour yo. Qui ça Nayib Boukele te fait? Li te détourné le catégoriquement de l'international là. Li gen l'armée dans le pays, li consulte chef Lamel, li consulte colonel Lamel, li gen police dans le pays, li consulte chef policier, chita ensemble, planifier des tactiques, planifier des stratégies, etc. pour nous croire gang, pour nous finir avec question bandit. Jeudi, soit parler de pays Salvador. Ou capre pays Salvador comme une destination touristique. Oui, par rapport avec niveau et avec faiblesse qui gagne avec jantou insécurité en bas, jantou bandit en bas, banditisme nan jan la kayo. Moun mache jan yo vle, oui, dans pays Salvador, alors que 4 secondes de stral bat comme ça. Son choix le fait. Nous même nous tellement pas gen dirigeant la caille. Nous tellement pas gen autorité la caille. Nous tout autorité nous gen dans pays yo. Tout autorité nous gen dans pays ya là. Tout nèg ça c'est point jote yo seulement yo contenté yo pour regarder. Yo pas pleuver tête yo pour regarder dirigeant. Yo pas pleuver tête yo pour regarder homologue étranger yo. Yo pas pleuver tête yo pour regarder ambassadeur le pays, président le pays, ministre le pays parce que yo peur pour yo pas perdre job yo. Yo peur pour yo pas perdre fonction yo et nèg ici yo tellement attaché à vous. Vous nèg ici pas qu'on démissionner. Nèg qui kon démissionner ici. Nèg qui s'est pas démissionné depuis on rentre dans poste. Oh mon Dieu, c'est ça yo te besoin, c'est li yo t'ap chercher. Donc comprenez bien, moi même la risque vim, la risque intérêt, la risque famim pou vindou a plus b, mais qui sa réalité mais qui sa nèg yo a fait, mais qui sa nèg yo vle faire payer. C'est pas moi pour lapider, non, sou pas d'accord avec ça me dire parce que on supporter pouvoir, on supporter André Michel, on supporter opposition. C'est nèg ça on pou prend courage de bras pour essayer yo k'ap craser pays, c'est yo même pour lapider. C'est yo même pour camper en face parce que pour essayer voler, c'est escamoter, et pas faire pour payer. Moi même là pour me délivrer au message pour une bonne nouvelle là. Nous sommes porteurs de bonnes nouvelles quand ça tout si mauvais sur mon baoul, mais c'est pas moi pour porter podcast là. Moi même j'aime ka camper pour me garder autorité ça au danger pour me dire deux trois vérités, même j'ai international participer contribuer largement. Non mettez Haïti côté là, deux trois vérités ça me ka dire le tout. Me ka dire le tout. Donc en tant qu'haïtien, c'est responsabilité, c'est responsabilité, c'est responsabilité on l'autre pour nous poser problème non, parce que journée aujourd'hui, Jean Canada prince avec Figinou, Jean Canada prince avec histoire pays d'Haïti. Si Jean Victor Généreux comme chancelier haïtien, comme ministre affaires étrangères haïtien, si nèg sa yo te gen colonne vertébrale, faut que li ta voyon correspondance by Mélanie Jolie pour dire non. Font ti camper madame la ministre. Problème dans c'est Haïti lié, on nous garde qui côté en Haïti n'a mettre bureau pour nous résoudre problème là. Mais nèg sa yo ouais nèg sa yo c'est est-ce qu'il fait quoi yo fait? Jean-Victor Généreux li annoncé que 15 juillet k'ap gen pour venir là, ap gen yon prochaine séance, ap gen yon prochaine session que Conseil sécurité Nations Unies ap gen pour réunir sous dossier force d'intervention internationale là sous dossier haïtien sous problème sécurité hein. Et la décision son décision est décisive liée et son tour dans décisif la pied parce que et Conseil sécurité Nations Unies a bien pour le prononcer et Jean-Victor Généreux et pour lui-même il confirme que yo sous bonne voie yo sous bonne route là parce que il y a plusieurs autres pays qui rejoignent yo qui favorable à l'idée pour force d'intervention militaire là pour Conseil sécurité Nations Unies hein, voter favorablement pour venir aider PNH pour venir aider la police nationale d'Haïti combattre gang combattre bandi donc nous pas gè l'autre bagaille pour nous faire nous pas anticiper sinon que 25 juillet k'ap gè pour venir là pour nous voir qui a tort qui a raison est-ce que gouvernement Ariel Henry, est-ce que ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généreux, j'en yo confiant, j'en yo senti yo confortable, est-ce que Conseil de sécurité des Nations Unies a ba yo raison et pour yo ba yo force d'intervention militaire étrangère ou bien est-ce que reste population, moun nan société civile là qui pas d'accord que pour gen force d'intervention qui rentre dans pays, est-ce que moun sa yo yo même yo a gen raison sous gouvernement Ariel Henry. Donc, n'a prêté tant 16 juillet prochain. 15 juillet, disons 15 juillet prochain, c'est pas 16, 15 juillet prochain. Kap gen pour venir là pour nous voir exactement qui ça a fait, qui ça a dit dans le dossier ça. Et nous pral continuer, mais nous pral permettre ou garder avec nous. Il y a une entrevue qui réalisée avec Jerry Tordieu qui lui-même dans tête partie et en avant.
qui a regardé comment il a résolu le problème pays, le problème politique. Là, il vient jouer une stabilité pour Haïti et en avant de participer dans signature déclaration conjointe là dans pays Jamaïque côté que la Valas te gain idée avec le Joseph Mopod PHTK avec Lini Baltazar avec divers autres encore qui ont même yoré te quoi faut pays bon président la dalle faut grand premier ministre et faut élection faite rapide pour arriver mettre un gouvernement pour arriver mettre un président démocratiquement élu un gouvernement démocratiquement choisi pour gérer la chose publique. On regarde ensemble intervention Jerry Tardieu dans micro Magique 9. Non, c'est pas seulement déclaration Kingston pour garder comme un résultat de sommet. Faut regarder tout que c'est première fois que acteur politique avec société civile là chita réuni pour parler. Pour nous mêmes sommet ça c'est pas une finalité, son étape dans processus cap long, cap difficile parce que pays a non situation que le pas jamais connaît. Nous fait choix aller en avant, c'est pas jeu de mon a fait nous pas faire bac. Là on fait noir Jean-Daniel Sénat. Si quelle que soit ti lumière qu'on voit puis devant là, faut marcher à l'DL pour soit voir une gros lumière qu'on chercher. Donc c'est normal que gagne un gros attente haïtien à vivre dans fait noir peuple a bouqué. Et que ces journalistes, yo, paysans, yo, élèves, nous, étudiants, nous, marchands, nous, tout le monde bouquet, businessmen, petit, gros, moyen, diaspora, nous, gon attente que gon bagay qui pour régler parce que le pays n'a pas capable encore. Donc, moi, je comprends que gon déception. Mais nous dit, population, nous dit, on est fret, dans la crise côté nous, là, la prenne autant pour nous sortir, car il comme là, son étape, et nous penser que, puis devant, les capotes fruits. Si nous voulons prendre un exemple, qu'en doit gon famille, monsieur, madame, qui n'a pas problème, kayo. Gen bruit k'ap fait voisin était venu pour pas gen l'obey et mais les voisins ont allé probablement que couple là c'est lui même qui va chita dans kay parler pour voir comment on ka régler problème et là à l'église le dimanche prochain voisin s'est constaté la constater ça pour que ça me ba exemple ça c'est parce que me pensais que puni en sommet a fait une fête c'est acteur politique qui pour faire preuve de dépassement de soi qui pour faire preuve de sens de responsabilité pour que dans jour k'ap venir nous chita et nous garder pour nous voir comment deux positions qui émergent dans sommet là nous capable mettre au table pour nous voir qui ça capable joindre et deux positions ça nous connaît d'abord gain événement et qui pas prenant de accord 21 décembre là et qui proposer yo élargir au conseil de transition et que au fond gouvernement d'ouverture d'un côté et de l'autre gain acteur politique yo qui dit que gouvernement d'unité nationale donc d'ouverture oui et principe pour nous était puis pour constitution faut un bon conseil mais qui vient des prérogatives certaines fonctions d'être capable dire présidentielle ou exécutive de telle sorte que capable gagner un équilibre entre pouvoir parce que qui ça n'a cherché dans transition son gouvernance qui inspire confiance jodi a Ariel Henry premier ministre dans gouvernement qui qu'on veut le comparer faut font constat d'échec pendant 2 ans et qu'on veut le comparer il faut d'accord tout que illégitime dans le sens que les besoins ont légitimité politique pour capable à l'exécuter faire. Donc, peut-être toute raison, ça y est, parce que sommet Jamaïque là permet de nous faire un pas en avant au lieu que nous ne faisons pas de, en arrière. Maintenant, si nous regardons comment ça a été en juillet, fin juillet 2021, et on dit à l'automne de 2021, nous avons l'impression que nous retournons à la case départ. Parce que avant, dans le contexte accord 30, août là et accord 11 septembre là, cette discussion ça qui t'a fait. Est-ce que nous devons gagner un exécutif bicéphale avec un président de la République ou bien un exécutif monocéphale avec le premier ministre Ariel Henry qui a dirigé le pays et à travers le conseil des ministres là. Si nous gardons le comme ça, ou gagne l'impression nous pas évoluer, nous toujours été dans le même côté en 2021, son retour à la case départ, si nous étions capables de formuler le conseil, et bien entendu. Moi, un désaccord total avec l'opinion, avec tout respect que j'ai pour vous, est fondamentalement différent. Et je pour qui ça, Jean-Daniel Sénat. On va parler de l'accord 30 août, on va parler de l'accord Montana, et on va parler de l'accord 11 septembre, on va parler de premier accord à Yalaria. Eh bien, à ce moment-là, tu gagnes seulement Montana et un bon. Et Ariel Henry, on l'autre bon. Je dis à qui sont gagnés. Ou gagnent plus acteurs, donc ça qu'a discuté à plus important. Ça veut dire que l'on prend à quoi on s'étonne. Je dis à le 21 décembre, ça veut dire qu'il y a plus acteurs politiques là-dedans et il y a secteur privé, plus il y a un conseil de transition. Donc ça, on s'étonne, vient tourner 21 décembre. Donc,
acteurs ça yo pi plus ton côté. Maintenant, l'on prend longtemps, c'était peut-être mon laisser frapper peut-être Montana avec on sait comme je dis à qui ça lié. Parti politique qui signataire déclaration Kingston là, c'est non seulement à Montana, mais c'est famille Lavalas. C'est en avant. C'est aider. C'est collectif. 30 janvier, collectif 30 janvier, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nous connaissons les bonnes parties politiques là-dedans. Il y a OPL, il y a Union, il y a Gré, il y a Mopod, il y a Petite Dessalines, il y a ensemble l'autre acteur là-dedans. C'est force ouverture. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont sous table à Jodia que d'accord à faire référence à lui-même. Ça veut dire Jodia. Mais nous mais faire discuter sur même ça doit discuter en 2021. Mais il n'y a pas de crise. Deuxièmement, nous disons que nous avons fait une réforme constitutionnelle en entendant sur 4 ou 5 points que toute société a d'accord sur lui. Deux. Et troisièmement, c'est une élection pour aller en fond CEP qui est impartial. CEP, ça, nous-mêmes, en avant, nous disons que nous avons remis son CEP qui a 9 membres nommés par 9 secteurs, mais que c'est 9 membres que société a validé, l'homme dit société, acteurs politiques avec société civile là. Parce que CEP a pour aller obliger un facteur incontournable dans la confiance. Que acteurs ont gagné, puisque il y a des acteurs qui, de toutes les façons, poilent dans l'élection. Dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ils poilent dans l'élection. Donc, nous-mêmes, nous pensons que, pas un secret, nous faisons qu'on a 2 enjeux. Alors, on dit dans l'autre, Jean-Daniel Sénat. Il y a des éléments de négociation, donc les enjeux de la crise, qui sont les mêmes. C'est la gouvernance et les élections. Et il y a les éléments de dialogue, et dialogue là, doit être permanent. Élément dialogue qui s'appuie, nous avons parlé de réforme institutionnelle, nous avons parlé de réforme de la justice, nous avons parlé de réforme sociale, nous avons même parlé d'un plan de sécurité. Je prends sécurité à qui ça l'appuie, qui menace sécurité, à qui t'y bien encadrement demandé par les amis internationaux, qui ça nous d'accord avec eux, qui ça ne pas d'accord avec eux, qui sont munitions, qui sont armes, qui sont intelligence. Tout ça, c'est des éléments de dialogue, mais des éléments de dialogue permanent. Quant aux négociations politiques, les éléments sont au nombre de deux. La gouvernance, et les élections. Ok. Maintenant, nous-mêmes qui si déclaration conjointe ça, est-ce que nous avons demandé même bagaille, à savoir comment nous est gouvernance là, avec Premier ministre Henry ou sans Premier ministre Henry, même si est-ce que c'est une cohabitation avec Premier ministre là, ou bien un rebrassage, n'après le bas de 4 là. Parce que par exemple, nous avons une conférence de presse et leader EDA, Claude Joseph, lui-même le dit, il est pas, il pourrait ministre Ariel Henry après 2 ans, qu'il pas arrivé à réaliser grand chose dans tel pays, qu'il pas gagné bilan, faut qu'il y aller. Et comment nous voyons ça dans le niveau, signataire? Bon. Déclaration Kingston, là, c'est un dénominateur commun minimal. Ça veut dire que c'est un ensemble parti politique, qui pas semblé et qui adversaire politique et qui pral yon face l'autre dans compétition électorale qui vini. Donc, c'est des partis politiques qui chacun ont l'idéologie, ont vision de société, ont projet société, ont stratégie et ont gens yon question. Maintenant, au-delà des différences partis, yon gagne un dénominateur commun minimal qui dit que gouvernance là, li fait pour inspirer de la bicéphalité de la constitution de 1987 pour rester dans l'esprit. Ça veut dire qu'il faut gagner un gouvernement et j'en ai dit d'unité nationale, et ça me croit tout le monde d'accord là-dedans. Et il faut nous gagner un conseil qui a certaines prérogatives présidentielles. Maintenant, le map dit que c'est Kounien que discussion a commencé. C'est parce que acteurs ça a bien pour rencontrer Kounien. L'homme font appel à un dépassement, à un sursaut patriotique, à un sens de responsabilité pour mettre Haïti d'abord. Ça veut dire tout que mandé si Ate Kingston yo pour yo chita son table jodia et puis pour au-delà de généralité ça qui lié wa comment yo question et me pense que c'est le kounien que discussion a fait semaine ça et que n'a prêté entendre n'a pas entendre nous sur exactement comment nous wè le ça moi même n'a pas capable retourner sous dopio pour nous entre nous mais ça nous entendre parce que
sont déclarations qui font demi-page. Mais pendant que Kounia la fois, nous sommes bonne l'autre bagaille qui pour cimenter position et puis pour nous venir avec une proposition qui est concrète et puis qui est capable de permettre d'avancer vers une solution finale. Déclaration et Kingston, non, c'est une nouvelle alliance. C'est pas une alliance. Une alliance, une plateforme. C'est des bagailles qui lient et deux, trois partis politiques dans le cadre d'un objectif électoral le plus souvent. Non, son déclaration commune. Ça veut dire que sous question gouvernance transition, il y a un parti politique qui réunit dans le cadre d'un dialogue bien organisé par une entité qui a une crédibilité et puis qui dit que, mais comment est-ce que c'est question? Donc, son point de départ, et je dis, il y a deux options. Et pour qui ça nous, et tout profiter de l'antenne pour nous remercier, car comme tant pile mon apprêlé, un mot et tout dit, pour qui ça nous a fait l'autre bois, eh bien, dialogue là nous oblige à accepter faire dans le pays, car comme, parce que nous pas, j'aime capable de discuter là, quand même. Aussi simple que ça, pas un secret dans fait quoi là. Si nous décidons nous-mêmes pour nous faire politique, pour nous parler le langage de la vérité, c'est que, en Haïti, nous parlons avec l'autre tout le temps, mais jamais dans le cadre structuré. Et malheureusement, nous pas ici fait. Ça nous fait un Jamaïque là. Moi-même, serviteur, les HCT avec le gouvernement invité dans le forum 23 mai. Je recevoir invitation la veille. Et je recevoir sur WhatsApp. Et je recevoir sans pas bon liste participants, menu discussion, yo, agenda journée forum. Yo, et encore moins méthodologie de prise de décision. Donc, voulez pour me voulons dialogue, je ne vais pas rentrer dans n'importe qui dialogue. Et même le son dialogue qui était fait ou son bonne partie, peut-être qui ont qui allié, pour regarder l'image qui est mal passé en termes de sécurité, puisque je change. Il y a des images que nous avons regardées sur les réseaux sociaux, côté Madame Maniga, il n'y a pas attaqué Libanel Chita la manger. Donc ça veut dire que pas même bon environnement de sérénité et de sécurité. Nous-mêmes nous disons, nous sommes même CARICOM. Nous disons n'importe où, n'importe quand, pour autant que c'est la crise haïtienne qui est au cœur des débats, pour autant que c'est l'intérêt national qui est mis devant. Nous-mêmes, n'a participé. Naturellement, sommet à fait, c'est ton première étape. Kounia nous dit, nous pas besoin de l'autre sommet encore. La suite, c'est discuter pour acteurs, discuter. D'un côté, les signataires de Kingston qui doivent s'entendre et nous avons étoffer position et assurer qu'il va parler le même langage. Et de l'autre, le gouvernement. Et d'abord, il y a sa tête au premier ministre Ariel Henry qui, non, carrefour, côté, moi, t'as recommandé le. Puis, il fait piquer devant. Pégal gonflé de stomac li pour dire que l'avance. Parce que là, je dis à nous, plus près que plus loin possibilité pour nous joindre une formule de consensus, puisque si nous d'accord que crise haïtienne, ce n'est pas avec coup de balle ni coup de mitraillette, n'a réglé li, que tout le monde d'accord sur lui, faut-il bien que c'est les discussions et les négociations, et c'est la nuit, je veux dire. Maintenant, tu as l'autre question, et difficulté qui était capable bien, par exemple, pour se mettre à être organisé en Haïti. Après fin de discussion, c'est que il y a d'autres initiatives qui après à poursuivre en Haïti. Et nous-mêmes nous parler pour nous aller participer dans d'autres discussions dans Port-au-Prince. Bien entendu, au contraire, c'est Port-au-Prince qu'on avait fait même. Et c'est ça, moi, c'est ça qui passe et les dépassements. Et nous-mêmes, et nous pas qu'un problème, tout pour qu'il comme toujours continuer, qu'un béwol mit en terrain pour essayer de faciliter. Et nous pas qu'un même problème, tout que l'autre zone, la communauté internationale, là, assister, encadrer, supporter. Par contre, ça ne pas d'accord, c'est ingérence. Ça, ça doit être une décision souveraine haïtienne, ça doit être un dialogue inter-haïtien. Et nous pas qu'un problème, qui est-ce qui facilite? Et surtout, nous t'as plutôt le faciliter. En Haïti, parce que nous avons un exemple dans le monde, côté de la diplomatie bien comprise, écoute, et conflit Égypte-Israël, c'est aux États-Unis, ils ont discuté, conflit et Mozambique, là, c'est en Suisse, et si nous avons un problème qui est en Colombie, c'est en Italie, ils ont discuté, Union africaine, ils ont servi, ils ont capable de faciliter la crise en Afrique. Donc, ils font premier, mettez-nous ensemble, nous faisons les avancées, qu'on y en garde si en n'importe où, ou bien n'importe qui côté dans le pays, hein, pour nous capables de continuer, pour nous arriver à un bagage concret. Nous même positionnons nous, en avant, c'est regarder en avant et d'être très, très ouvert et forcer les acteurs, par la parole, pas par la force, à comprendre la nécessité historique, je dis, pour ça, nous venons nous jeûner, parce que peuple a bouqué, société n'a pas capable, pays à genoux. Ou t'es dans les déclarations pour le ministre Ariel Henry, le Soti et Jamaïque, dans le salon diplomatique là. Et
Et pour le ministre, par exemple, il dit que le gouvernement est souhaité joindre une déclaration commune avec tous les participants sous quelques sujets autour desquels les participants étaient capables facilement de trouver des consensus. De qui ça a parlé? Probablement, je ne vais pas parler pour le Page 9, Premier ministre, là, nouvelle, mais probablement, ça, dans la sens. tête, je change, je te dis ça, bon, elle était l'autre bord, elle t'a parlé, par exemple, question sécurité. Mais question sécurité, ce n'est pas des éléments de négociation politique. Question sécurité, sont questions techniques. Les gouvernances qui gagnent, en figure, et qui gagnent des ministres qui sont capables, et pas capables de jouer, et faire travail, là, pour y aller exécuter un plan de sécurité. Même pas quoi, sont ensemble acteurs politiques qui pourraient le chita dans l'autre pays, qui pourraient discuter comment et résoudre question sécurité. Question sécurité, c'est des terrains nationaux, c'est des dossiers stratégiques qu'on pas capable à parler de eux, sont pas qu'on soit parlé là. Donc, oui, bah, ça a eu une importance. Parce que si nous voulons l'élection, il faut une sécurité. Si nous voulons une sécurité, il faut une bonne gouvernance. Donc, c'est peut-être de ça qu'on parle. C'est pour ça que je dis au Premier ministre, là, à tout mon pile. Pas qu'il y ait l'autre bagarre pour ne pas parler. Il y a deux éléments de négociation. Il faut parler de gouvernance là. Et il faut parler de l'élection. Élection qui j'en a fait CEPA. Qui j'en a fait loi électorale là. Qui j'en a intégré diaspora là pour le voter fois ça. Pour nous faire, pour historiquement, au moins, crise ça a accouché de ça nous capabriller des victoires historiques, tant qu'on a le vote de la diaspora, qu'on a mis dans la loi électorale. C'est deux bagailles, ça, pour nous parler comme élément de négociation. Nous pas qu'à parler un d'autre. Tout l'autre bagaille à parler, c'est des bagailles techniques qui pas nécessité en discussion à haut niveau de point de vue politique. Premier ministre dit, médiateur carré comme nous, pour aller pour une Port-au-Prince, et il a rencontré, entre autres, HCTA et un éventail plus large d'acteurs haïtiens qui pas capable d'aller dans Jamaïque. Et une opinion, c'est sur le fait que CARICOM a venu en Haïti pour rencontrer l'autre monde qui pas de Jamaïque. Bon, et d'abord sous principe que CARICOM continue à jouer et rôle mis en terrain, pas de problème. Et nous dit tout à l'heure là. Et sous principe même que c'est CARICOM assister, aider, accompagner de l'autre amis dans la communauté internationale là. Pour autant que c'est facilité et que c'est les Haïtiens eux-mêmes qui sont souverains dans leurs décisions, pas de problème toujours. Par contre, question pour CARICOM, après entrer là et puis à monter descendre, à rencontrer l'autre acteur, je ne pas fin trop comprendre. Pour qui ça? Les map gade, entité, organisation, regroupement politique et société civile qui étaient présents dans Jamaïque, moins capable de dire facilement et avec un peu d'assurance que acteurs sérieux représentatifs des secteurs organisés de la vie nationale. Et naturellement, il y a quelques partis politiques, il y a plus que 350 partis politiques, il y a quelques partis politiques, mais pensez, et qui partent là, qui étaient là. Je n'ai pas besoin de citer une ou deux, ils se reconnaîtront, et moi-même, je bataille pour eux là tout. Et d'ailleurs, et probablement que ils ont un contact, ça pas Kingston, moi-même personnellement, avec 4 ou 5 partis politiques importants qui partent Kingston, que moi en coordination et moi en communication et permanente avec eux, donc en quelque part, même sous table là, informellement, officieusement, nous représenter intérêt. Donc ça veut dire que moi, pense que ça, là, nous pas besoin d'Aéon, parce que c'est là pour nous arrêter, ça n'a fait pour nous faire, pour nous jouer une solution, pour nous libérer le pays. Romain, parce que là, qu'on n'y a pas de parler en pile, pas de parler français, pas de monter des sons, pas de. Non, on est là, nous, acteurs ou là, un chit à poser question. Et puis, il a fini. En même temps, député Jerry Tandieu, il y a des gens qui gardaient et acteurs qui étaient allés dans Jamaïque. Et il y a une réflexion, il a dit, en pile de monde, pour ne pas dire tout, bon, ça c'est ça, mon avis, mais on dit la majorité là-dedans. C'est, ils contribuent dans un niveau, ou bien à un autre, dans ce qu'ils doivent vivre aujourd'hui. Pendant toute dernière année, puisque c'est eux-mêmes qui font partie de l'élite à la fois économique, politique, là, ils ont gagné et pas de responsabilité, dans ce que le pays d'Haïti a vécu, comme l'a fait dans dernière année. Comme quoi, moun sa yo pa ka à la fois fin créer crise yo, fabriquer yo, et puis, c'est au même encore pour proposer solution. Gen moun ki même proposer pour ta de l'autre moun. Ta de l'autre moun dans la société civile là, qui va jamais parler à l'université, à l'école yo, à la communauté yo. Altende qui sa majorité qui a vive, sa la vive là, qui sa ta souhaité, qui sa ta yon ek fait. Alors, Jean-Daniel Sénat, réponse très claire.
Et nous avons une classe politique qui nous gagne. Ça paye à vivre là, pas de secret dans le fait que là, c'est parce que une classe politique qui n'a pas fait face à la responsabilité et je dis à qui perd confiance, puis fort population. Moi-même, c'est vite pour que ça me décide de continuer à battre dans la politique et créer un nouveau parti politique. C'est parce que je pense en pile qu'il a eu, pas répondre à demain, peuple haïtien. Donc, moi, d'accord avec vous. Mais est-ce qu'il y a une carité aujourd'hui et puis nous décider quand on a une classe politique, là, on prend tout pour la guerre, notre ne peut pas exister. Non? Obligé de dire avec vous, c'est réalité nous aujourd'hui, c'est même avec la presse. Les partis politiques sont à l'image du pays, même gens la presse est à l'image du pays, même gens le secteur privé est à l'image du pays. Ça veut dire que même gens le secteur syndical est à l'image du pays. C'est-à-dire que gagner en dégradation, gagner un pays qui est à genoux, une société qui pour faire un constat d'échec. Faut clair sur ça. Donc ça veut dire que acteurs qui là yo remet ou pas remet yo, ou obligé deal avec yo. Ou obligé de travailler avec eux et ou obligé d'accepter que c'est eux-mêmes. Parce que, bonjour, ou pas j'aime suspendre fin ouais tout le monde. Il y a des secteurs représentatifs de la vie nationale. Et mouvement paysan, papa, t'es présent dans Jamaïque. Ils ont représenté une tendance et d'un mouvement paysan. Mais est-ce que vous représentez tout paysan? Non. Mais est-ce que quand comme 40 et puis il fait tout 9 départements pour rencontrer toute association paysanne? Non. Est-ce que tu as gagné des droits de l'homme? De mettre Gédéon Jean, et Pierre Espérance, donc les droits humains étaient là. Mais gagné les pattes là tout. Est-ce que parce que l'autre yon pat là, faut qu'il y ait comme entrée pour la rencontrer toute organisation de défense des droits de l'homme? L'État, pis bon, même pas quoi matériellement gagné temps pour ça. Tu as gagné des organisations d'un coup SOFA qui représentent les femmes et qui te bien défendent cause femmes de bois. Mais gagné au moins 50 à 100 organisations qui défendent les droits de femmes. Donc, ça veut dire que dans tout pays, il y a une diaspora. Diaspora, tu es censé représenter. Tu es un représentant dans Montana, tu es un représentant qui part dans Montana. Mais moi-même, malheureusement, il y a une reproche que me fait, pas capable de dire, et assistance. C'est que trop souvent, nous ne parlons pas de zanmi nou, se nou ak frè nou yo, kap viv lòt bò, et que nous devons considérer qui fait partie de acteurs pour décider sur la crise nationale. On va parler de diaspora. Donc, moi-même, moi, pense que ça, on dit, ah, c'est vrai, qu'on constate l'échec. Et c'est vrai que gain nécessité probablement pour que jeunes yo impliqués au plus en politique pour que pas répéter les erreurs du passé des générations qui échouaient. Mais c'est vrai tout que je dis et pas bien secret non fait qu'on a ça pour faire la folle fête avec les acteurs qui aujourd'hui représentent et les partis politiques et le monde politique et la société civile. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial nous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel Paul là pour bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick là, même quoi.